Mimi. Hello, bonjour tout le monde, ça va bien? Alors, je vais attendre que Facebook et YouTube soient synchro et on y est. Hello, comment ça va? 8 semaines, 8 semaines, vous vous rendez compte? 8 semaines que nous avons commencé le Fairy Bouquet. 8 semaines et je me rappelle encore des personnes qui sont rentrées dans les boutiques et qui étaient là. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. C'est mon premier pull. Ça a l'air compliqué. Et puis 8 semaines plus tard, qui disent, mon Dieu, c'était facile. J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire ça. Donc franchement, bravo. Bravo tout le monde. Moi, il lui manque une manche à mon petit Fairy Bouquet, mais c'est pas grave, puisque la semaine prochaine, ça va être un dimanche off. Ça va nous laisser le temps de finir nos Fairy Bouquet et de se préparer pour le prochain projet dont je vous parle dans un instant. Mais le voilà, mon petit bébé qui n'est pas encore bloqué, mais j'en suis vraiment déjà très 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 contente. J'ai vraiment hâte de le porter. Mais voilà, alors non bloqué, c'est toujours un petit peu fripouille, mais on le... Voilà, bloqué, ça va être magnifique. On va juste faire un petit tour de piste justement de vos réalisations, maintenant que j'ai réussi, je pense, à partager mon écran, que vous voyez les belles réalisations qui ont été faites. Alors, voilà, le beau... Fairy Bouquet de Esther, regardez comme il est magnifique dans cette couleur. Alors c'est vraiment beau parce qu'on les voit dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Celui de Edith dans ce très beau petit rose argile. Alors, j'en avais vu d'autres. Céline, t'es comme moi, il te reste une manche à faire. Voilà, celui-là, pareil, dans un petit rose framboise écrasé de Lucie. Superbe. Kathleen, vraiment dans la couleur printemps. Magnifique, dans un beau vert printemps. Voilà. Et puis, sur Facebook, on en a un peu plus, mais c'est normal étant donné que vous êtes plus nombreux sur le groupe Facebook. Donc celui de Caroline, qui je pense est en Féli, donc en mélange mérino-cachemire, ça va être un vrai bonheur à porter. Voilà, celui de Muriel dans cette belle couleur chaude, terracotta, pas encore bloqué. Celui de Daniel dans ce petit gris bleu. Je pense qu'on l'a fait dans la même couleur, Daniel. Voilà, celui de Patricia, voilà, c'est pareil. Lui, il lui manque son petit blocage. Oh, celui de Guylaine en rose, magnifique. Celui de Joanne, on a la même couleur aussi. Celui de Agnès dans ce beau petit rose. Avec un beau fond en plus, c'est très joli. Hein, c'est beau quand on voit la manche terminée, vraiment superbe. Celui de Caroline. Vraiment magnifique en matcha, dans ce petit mauve. Vraiment, vraiment, il te va à ravir, Caroline. On s'en était parlé hier, il te va à ravir. Voilà, celui de Marlène en bleu.
Est-ce qu'on en a d'autres? Voilà, je pense que c'est à peu près la fin. Vous me pardonnerez ceux pour qui... voilà. Vous me pardonnerez ceux pour qui je ne les ai pas montrés. Mais vraiment, bravo, félicitations. C'est tellement beau de les voir dans toutes ces couleurs-là. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Je vous parle tout de suite de notre deuxième projet. Alors, moi, le changement d'heure, je suis complètement désynchronisée. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je vais vous montrer évidemment comment on va bloquer le Fairy Bouquet, comment ça va être, comment on va pouvoir faire en sorte que le petit papillon aux ailes fripées sorti de sa chrysalide devienne le papillon qu'il était destiné à devenir. Donc, on va voir comment on va bloquer ça. On va voir, là je vais vous en parler tout de suite, on va voir le prochain projet. Je vais vous en parler de ce prochain projet, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre, quelle laine on peut utiliser, l'aisance, etc. Et puis des petits bonus à droite, à gauche, d'accord? Je vais peut-être directement aller sur le blocage, d'accord? Comme ça, ceux qui viennent juste pour le cours, eh bien, vous allez pouvoir ça. Et après, on se parle du prochain projet, d'accord? Donc, pour le blocage, personnellement, je vais utiliser quoi? Alors, je vais utiliser mes tiges à bloquer qui, je trouve, sont les meilleurs outils pour pouvoir bloquer un pull, d'accord? Donc, je vais utiliser des tiges à bloquer. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Je vais utiliser des paniers à bloquer, mais si vous avez des épingles en T, donc... Vous voyez ce genre d'épingle, voilà. Oups. Est-ce qu'on va voir l'épingle en T? Oui. Voilà. Donc, si vous avez des épingles en T, ça va fonctionner aussi très bien. Et puis, bien sûr, les petits tapis de ce style-là. Donc, vous allez pouvoir en trouver. Je pense qu'il y en a chez Decathlon, apparemment. Mais sinon, Canadian Tire, donc c'est ce qu'on utilise aussi sur les sols des garages, dans les parcs pour enfants. Donc l'avantage, vous voyez, c'est qu'on a quelque chose, on a une espèce de mousse de plastique qui est épaisse et qui va être parfaite pour bien retenir nos tippins, puisqu'on va quand même, on va vraiment un petit peu étirer notre tricot et on a besoin que les épingles soit retenu par quelque chose d'assez épais. Est-ce que vous pouvez utiliser votre tapis de yoga? Oui, si vous aimez pas faire du yoga, il n'y a pas de problème. Si vous aimez faire du yoga, épargnez votre tapis. Souvent, ils sont quand même assez fins. Vous allez les déchiqueter à la longue et ce n'est pas forcément le meilleur médium. Si vous n'avez absolument pas ça, c'est pas grave. Vous pouvez aussi récupérer du carton. Vous savez, vraiment le carton, carton, genre carton de déménagement. Donc, vous utilisez du carton, c'est quand même assez épais. Et puis, vous allez mettre dessus comme un sac poubelle que vous allez éventrer pour qu'il soit bien, bien, bien à plat, comme une bâche en fait. Donc, vous allez mettre le sac poubelle dessus et vous allez pouvoir épingler en mettant votre pull sur le sac poubelle et le carton pour que l'humidité, évidemment, ne vienne pas effriter le carton en dessous. D'accord? Pauline qui dit j'ai plutôt des épingles hantées, elles adorent aller sous les pieds. Elle est bonne celle-là, elle est bonne Pauline. Tu t'es réveillée beaucoup plus tôt que moi. Moi j'ai eu vraiment de mal ce matin. Allez hop, une gorgée de café pour activer la machine. Ok, donc je vais essayer de vous faire ça le plus facile possible parce que dans un petit studio d'enregistrement, eh bien, c'est pas évident, évident de montrer comment bloquer un gros pull. Alors, on va y aller par morceaux, je pense. Caroline dit, pour aller accélérer le séchage à la fin, le Pop-up dryer de Coconit est super. Ah ben j'irai voir ça. Pop-up dryer. Moi, en général, mon pull va sécher en une journée à 2 journées. Voilà, je le laisse tranquillou, mais ça m'a l'air intéressant. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va placer des
épingles, puis je vais vous montrer le résultat ensuite en prenant un peu de recul. Donc on va placer nos tiges, hop, en les mettant de chaque côté, sur les côtés latéraux de notre tricot. Donc on est là, on va vraiment aller sur les côtés. Je vais ressortir à travers ma branche. C'est pas grave, ma tige a le droit de ressortir, voilà. Je vais le placer parce que c'est pas très intéressant que vous voyez ça. Je vais le placer puis après je vais vous le montrer en prenant un peu de recul parce que franchement c'est pas très intéressant de voir des bouts de tricot qui s'agitent sous les... Est-ce que c'est préférable de rentrer les fils avant ou après le blocage? Eh bien personnellement je le fais toujours après le blocage. Pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a deux écoles de avant ou après? Tout simplement parce que quand je vais bloquer, ce qui va se passer, c'est que je vais étirer un petit peu ou beaucoup, dépendamment du type de tricot. Hein, dans la dentelle, on étire beaucoup, beaucoup. Et si j'ai rentré mes fils, eh bien, ils peuvent ressortir puisque je suis en train de tirer sur mon tricot. Donc, logiquement, ça étire un peu les mailles et mon fil pourrait ressortir. Donc, autant que... je bloque mon tricot et après, je vais simplement rentrer mes fils, d'accord? C'est pour moi, en tout cas, d'une logique imparable, mais chacun voit midi à sa porte, c'est ça qu'on dit? Avec le changement d'heure, d'ailleurs, voir midi à sa porte devient très compliqué. Alors, hop! Avant de bloquer, là je suis en train de le bloquer à sec, le pauvre petit, mais il faut savoir que vous allez d'abord mettre votre tricot pendant 20 minutes au moins dans de l'eau avec une solution lavante pour la laine. Alors nous on utilise le Calan, on l'aime beaucoup le Calan parce que c'est un produit qui est fait dans l'Ontario et... qui n'a pas de rinçage, donc ça c'est pratique, hein. On le met dedans et puis 20 minutes plus tard... on le sort de l'eau, on enlève le maximum d'eau, on roule le pull dans une serviette propre, une serviette de toilette propre, on marche un peu dessus, donc on lui fait un petit peu le traitement VIP, massage californien, on extrait ainsi un maximum d'eau, et quand il est humide mais pas trempé, c'est à ce moment-là qu'on va le bloquer. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que l'on bloque un tricot mouillé et non pas sec? Pendant qu'il y en a, je vais voir s'il y en a qui suivent depuis ces 3 ans. Tic tac, tic tac. Allez-y, pendant ce temps-là, je réponds à des questions. Je rentre avant et je coupe après. Donc Chantal, elle dit, je rentre mes fils avant et je coupe les petits bouts qui dépassent après. Alors, allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à ce que je viens de poser comme question? Pendant ce temps-là, je vous montre donc la première partie du blocage, que je vois s'il y en a qui suivent un petit peu. Donc, voilà la première chose que je fais. Je vais placer la laine gonfle, voilà. Et se détend. Parfait. Donc... il y en a qui suivent, la laine est élastique, il y en a qui suivent, je vais reprendre là-dessus, mais juste regardez, vous voyez, j'ai placé mes petites tiges à bloquer, je les ai placées à droite et à gauche, donc sur les côtés, hop. Ah, voilà, ok, donc à droite et à gauche sur les côtés, là. Et ça permet vraiment de bien étirer le corps. Ok. Donc oui, une fois que la laine elle est mouillée, maintenant je vais faire la manche. Une fois que la laine elle est mouillée, ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre, à peu près 52% d'élasticité. C'est une moyenne parce que ça dépend avec quoi elle est faite, puis ça dépend comment elle est twistée, etc., etc. Donc elle va prendre
52% d'élasticité, ce qui fait que quand vous allez l'étirer, eh bien ça va pas craquer, d'accord? C'est comme un muscle, elle va pas être à froid, donc vous pouvez travailler avec, elle peut faire des étirements sans se faire un claquage. Et puis ça va permettre, si vous voulez vraiment garder un motif, eh bien vous allez comme la détendre pour qu'elle reste dans cette position là, d'accord? On va détendre la fibre, mais on va le faire exprès. Et ça va lui permettre de rester dans cette position au lieu de revenir à son état un petit peu plus resserré, puisque la laine est élastique, hein, elle se détend et elle se remet en place. C'est ce qu'on appelle sa résilience. Elle est très résiliente, la laine, donc vous ne voulez pas ça. Alors, ensuite pour les manches, je vous dis, hein, bloquer sur des petites surfaces, ça c'est pas trop. Et dit pour enlever l'huile de la laine. Eh bien oui, évidemment, c'est une excellente rajout. Merci, Edith. En effet, quand on travaille avec certaines laines, mais on est plus sur des laines un petit peu plus rustiques ou des laines qui sont faites, par exemple, le tweed du Donegal, il est filé avec encore de l'huile. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les manufactures. C'est un peu un ancien procédé. Mais le tweed du Donegal, il est bloqué, il est filé avec de l'huile. Donc, il faut bien sûr qu'on l'enlève avant de le porter, parce que ce n'est pas forcément agréable sur la peau. Et dans le lavage, on va laver deux fois, une fois pour enlever l'huile et l'autre fois pour bloquer. Exactement. Allez, hop, je vais vous montrer pour ma petite manche, que vous compreniez. J'espère que je suis à peu près claire parce que l'espace. Il faudrait que j'ai des caméramans pour faire ce que je suis en train de faire. On fait comme on peut, hein. À la guerre comme à la guerre. On fait comme on peut. Voilà. Le principal, c'est que vous compreniez au moins le principe de ce que je suis en train de faire pour que ça se passe, pour que vous fassiez au mieux. Hop, parce que j'ai bien pris ce que je voulais prendre. Ok. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de bloquer avec des tiges? C'est qu'on a quand même un motif, d'accord? On a un motif en haut. Dans le fairy bouquet qui demande quelque part à être ouvert au niveau de l'encolure. Puis c'est pareil, on a quand même un motif sur les manches, donc c'est important de bien ouvrir tout ça. Donc à la vapeur, on n'aura pas la même extension qu'on pourrait avoir ici. Donc là par exemple, vous voyez, je vous montre comment je bloquerai la manche une fois que j'aurai terminé. Donc regardez bien, j'ai pas inclus mes côtes dans mon fil ici, d'accord? Parce que je veux pas étirer mes côtes et briser leur élasticité, puisque c'est ça qui donne un peu le côté poufi au bout de ma manche. Donc si je l'étire, je risque de perdre ça. Donc j'ai mis mes tiges à bloquer, mais je les ai mis au-dessus des côtes. Je n'ai pas inclus mes côtes à l'intérieur de mon blocage. Et puis ensuite, eh bien, j'ai vraiment mis mes tiges à bloquer sur la moitié de ma manche, donc au niveau du dessous du bras, puis à la moitié de la manche, et je l'étire comme ça jusqu'en haut, d'accord? Donc là, je ne peux pas étirer tout le pull, mais en faisant ça, donc en bloquant les deux manches de cette manière-là, donc vous voyez ma tige, la première tige à gauche ressort par le col, la deuxième tige ressort au niveau du dessous du bras. Voilà, donc comme ça, ma manche est bien bloquée. Je vais vous faire aussi une vue un petit peu plus grande. Et puis, quand vous aurez bloqué aussi sur les côtés, ça va vraiment vous permettre d'ouvrir le pull au maximum et le col va s'ouvrir par la même occasion. D'accord? Je vous montre ici la manche. Voilà. Donc, vous voyez, sur le dessous de la manche, c'est pareil. Je passe vraiment
ma tige. Donc encore une fois, je n'ai pas embarqué mon poignet en côte, je ne veux pas l'étirer. Hein, je commence au-dessus, puis ma tige ressort au-dessous du bras. Et ensuite, voilà, j'ai au niveau de mon col, et ça passe, voilà, jusqu'au bas de la manche du dessus. Et encore une fois, je suis passée, j'ai pas embarqué mes côtes dedans. Ensuite, si après le chandail, si après le blocage, le chandail est trop grand parce qu'on a exagéré en l'étirant, est-ce qu'un deuxième blocage plus doux pourrait corriger le tout? Alors, ce qu'on a fait quand on a bloqué puis que le tricot s'est étiré, c'est que quelque part, on a agrandi nos mailles, on les a étirées. C'est pas forcé qu'on arrive à retrouver le pull du départ, puisque ça marche dans un sens, c'est plus difficile de le remettre dans l'autre sens, d'accord? Si les mailles sont vraiment étirées, c'est plus difficile de leur demander de se rapetisser à nouveau. Tu peux essayer, Anne, mais je crains que tu ne puisses pas leur mettre en plus petit, malheureusement. Voilà. Une dernière chose sur le fairy bouquet. On m'a dit de manière très juste, donc la semaine dernière, je vous ai montré comment remonter vos mailles, mais j'ai utilisé un autre pull qui était très mousseux, hein, mon cumulus. N'ayant pas été au bon moment, au bon endroit. Et certains m'ont dit, mais on voit pas grand-chose en fait quand tu remontes tes mailles. Donc je voulais juste rapidement remontrer pour ceux qui trouvaient que c'était pas très très clair. Je vous dirais, c'est aussi un peu mousseux la matcha, mais bon. On commençait au milieu, donc au niveau de la torsade, on remontait entre 3 et 4 mailles. Donc je suis ici, je suis au niveau de ma torsade, je vais prendre 2 brins. Dans mon cas, ça demande 3 mailles en partant du milieu. Je vais prendre un fil assez long. Je le replie en 2, je ne fais pas de nœud et simplement j'installe comme ça et je suis partie, je vais tricoter. Donc je vais remonter, j'ai 3 mailles à remonter. Ok, donc vous pouvez sauter, vous voyez là, ça je ne vais pas le prendre, je vais aller un petit peu plus loin, c'est pas grave. Voilà, ça ne fait pas de trou. 1, 2, 3. Et puis, je vous disais, souvent, on va avoir un espace qui se crée entre les mailles qu'on a mis en attente et celles que l'on reprend. Et on peut éviter cet espace-là. Pour cela, on vient chercher sur l'aiguille de droite. Vous pouvez venir chercher, vous voyez, la maille du rang d'en dessous. Voilà. Donc, par exemple, ici, je viens chercher la maille du rang d'en dessous. Je vais la mettre là, puis soit je vais tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit, là je vais faire un SSK, j'ai l'impression que ça va être le mieux dans ce... Des fois je change SSK, knit two together, quelque part je sens un peu le tricot, ça va être quoi le mieux pour lui. Et puis, comme vous pouvez le voir, ça va complètement réduire l'espace. Voilà, il n'y a plus d'espace. Je vous le remonte une dernière fois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, il y a un grand espace ici. J'ai été chercher dans le rang précédent sur la maille de gauche. Je prends le petit bras qui est à droite. Je le place ici. Puis, je vais faire un slip. Passe mon aiguille de gauche au pied des 2 mailles glissées, voilà, et je les tricote ensemble dans le brin arrière, et ça permet de ne plus avoir d'espace.
Alors, Martine nous dit, moi je m'assure à sec des mesures idéales pour reproduire lorsque mouillé au blocage. Voilà. Ok. Alors, Lucie qui dit, maintenant les trous n'ont plus de secret pour nous en référence au cours de raccommodage, le podcast du raccommodage qui a lieu tous les vendredis. Voilà. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Okay, on va juste... Je vais vous montrer aussi. Je vais tricher parce que là... Quand j'arrive, quand je fais le tour que j'ai tricoté et que j'arrive dans cette partie-ci, eh bien, c'est pareil, d'accord? Je vais avoir 3 mailles à remonter ici et je risque d'avoir un espace entre... les mailles en attente là et puis les mailles en attente ici. Donc je vais juste tricoter ça rapidement. On va passer à travers la charte, c'est pas grave. Je vais tricoter ça rapidement et je vais vous montrer pour être sûr que toutes les techniques ont bien été vues pour le fairy bouquet. On va pas, voilà, ça serait dommage d'avoir des petits manquements avec tout ce qu'on a appris d'ici là. Excusez-moi, on va juste passer à travers tout ça. Ok. Est-ce qu'il y en a encore qui ne savent pas quel va être le prochain projet? Est-ce que, malgré ma grande campagne d'information, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas quel va être le prochain projet? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à passer à travers les maillages de l'information? Je voudrais voir si ma révélation va être une grande révélation ou alors pas du tout. Dites-moi tout. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas encore? Qu'est-ce que je vais, de quoi je vais parler aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y en a au moins un qui a à faire. Oh! Ok, j'arrive au bout. Mais je trouve ça vraiment important. Je veux m'assurer que la technique soit bien enseignée. Ok. Voilà, donc je suis là, j'arrive à la fin. J'arrive à la fin. Donc, comment est-ce que je peux faire pour être sûre que j'ai bien tricoté, j'évite mes nœuds? Alors, regardez. La dernière maille, je vais la glisser, je ne vais pas la tricoter. Puis, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais venir relever le brin du... Voilà, je vais venir relever ici. Oh non, je vais venir prendre la maille suivante. C'est toujours un peu la même chose. On essaye de... Voilà, on essaye de raccourcir l'espace. Ok, donc j'ai glissé la première maille. Je vais venir glisser la maille suivante. Donc, c'est un brin que je vais venir ramasser. D'accord? Donc, je le prends. Je replace la maille glissée sur l'aiguille de gauche. Et je vais tricoter ces deux brins-là ensemble. Je vous le remonte. Donc, la dernière maille de ma manche, oups, je vais la glisser comme pour tricoter à l'envers. Je vais récupérer ensuite en face un petit, une petite maille. Voilà, je la relève. Je prends qu'un seul brin, ça va être plus facile. Tiens là, toi. Je replace l'aiguille glissée sur l'aiguille de gauche et je vais tricoter maintenant ces deux mailles ensemble. Voilà, ça va bien resserrer et après ça, il ne me reste plus qu'à remonter mes 3 mailles. Voilà, allez. Donc. Le prochain projet. On va y arriver, le prochain projet.
Le prochain projet, eh bien, c'est un projet qui va utiliser ce point-là. Je me suis bien amusée hier soir. J'ai décidé de faire un échantillon pour vérifier si j'aimais ou pas le choix de laine que je vais faire. Donc, le prochain projet, il s'appelle la blouse Isolde. Donc, c'est un nouveau patron de Knitting for Olive. Il n'est pas encore disponible sur Ravelry. Où est-ce que vous allez pouvoir l'acheter? C'est pas grave, vous allez aller sur le site de la maison tricotée, vous tapez Isolde et vous allez pouvoir acheter le patron. Le patron, il est en français, vous allez voir, c'est une blouse de dentelle. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Hop, je vais vous partager l'écran. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir, c'est une blouse en dentelle. Hop. Avec une petite encolure ronde. Voilà. On retrouve les manches bouffantes, à mon avis. C'est quelque chose qui est très, très à la mode en ce moment. Donc, on retrouve les manches bouffantes, ce qui veut dire aussi qu'il n'y aura pas vraiment de diminution au niveau des manches. Ça va être un peu comme le fairy bouquet. C'est un top-down, on commence par le haut, on descend vers le bas avec des raglans et puis des grandes côtes. Est-ce que c'est difficile? Non, honnêtement par rapport au fairy bouquet, on est sur quelque chose de plutôt facile. On va surtout suivre une charte de dentelle et puis c'est vraiment une charte de dentelle très très facile. Oui, je peux vous dire que c'est très très facile, promis juré. C'est facile même d'avoir des repères à l'intérieur. Il n'y a pas de grosses difficultés. On est face à des techniques qui vont demander des jetés et puis une diminution double à maille centrée. Hein. Donc, c'est très, très facile. S'il y en a qui se disent, mais de quoi elle parle, diminution double à maille centrée, j'ai aucune idée de quoi ça, qu'est-ce que ça mange comme bibitte. Faites-moi confiance, c'est très simple à faire. Donc, hop là. Donc non, c'est vraiment, vraiment très, très simple à réaliser. Pourquoi est-ce qu'on le nomme blouse au lieu de pull? Écoute, Diane, c'est une bonne question, mais ça a un peu un aspect blouse. En français, on pourrait appeler ça une blouse, en effet, à cause de l'effet un peu ample au niveau des manches. Bon, après, peut-être qu'ils ont trouvé que ça faisait très chic. Alors, c'est un peu compliqué dans le sens où, en effet, il n'est pas présent, il n'y a pas de photo portée sur Ravelry, mais j'en ai trouvé une, et j'aurais dû la mettre, j'en ai trouvé une quand j'ai tapé Isolde Blues sur Google, j'en ai trouvé une sur Pinterest. Et évidemment, j'ai pensé à tout ce matin, et encore, ce fut difficile, mais j'ai oublié de la rajouter. Donc, elle n'est pas très très ample, mais ça, vous pouvez décider de la faire ample. Il suffit juste de changer l'aisance. Hein, selon l'aisance que vous allez choisir, ça va vous permettre de l'avoir plus ou moins ample. Mais elle n'est pas si ample que ça, en fait. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qui est demandé comme laine? Alors, hop, diguidou, diguidou, on va faire. Je vais vous montrer un petit peu. Quelles sont les options? Voilà. À la base, la Isolde Blues, elle est faite en prenant deux fils de mohair. D'accord? Donc, deux petits fils de mohair pour un rendu qui va être très, 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 très moelleux. Hein, très, très moelleux, très, très duveteux et aérien. Vous pouvez aussi décider que ça sera un fil de mohair et un fil de fingering si vous avez peur du fait que ça pourrait être difficile à défaire ou que vous voulez quelque chose de plus structuré au niveau de la dentelle. Dans ces cas-là, eh bien, vous prenez un mohair et un mérinos, d'accord? Donc ça c'est dans la soft silk mohair de Knitting for Olive. Moi, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'avais envie qu'il y ait un peu de tenue dans ma dentelle. Et je me suis dit, ben, je vais prendre un fil avec du lin. J'en ai plus beaucoup, hein, je vous le dis, je me suis un peu...
je suis pas représentatrice, c'est pas, je fais pas une bonne action marketing, hein. Je prends pas quelque chose qu'on a en plein, mais j'ai décidé que j'ai envie de me faire plaisir quand je tricote. Donc, j'avais, et il faut que je finisse mes stocks, donc il faut que j'ai 3 vies, mais donc j'ai pris de la Simone, d'Emilia et Philomène. Donc, j'ai pris une laine qui a du lin et du mérino, qui est un peu raide, et j'avais... j'ai retrouvé un mohair et soie un petit peu plein de couleurs. Je ne sais pas où est-ce que j'ai retrouvé ça, mais j'en avais plusieurs. Et il est assez fin. Donc, c'était difficile de lui trouver un copain pour faire quelque chose. Et là, je me suis dit, ben, le contraste est super intéressant entre ce mohair-là, qui est très, très brillant, puis qui a plusieurs couleurs, et ce vert d'eau vraiment mat, mais qui rappelle un petit peu ici. Donc, j'ai fait mon échantillon hier avec le point. L'échantillon est demandé en jersey, mais moi, je voulais voir dans le point qu'est-ce que ça allait donner. Puis, en fait, je vais plutôt vous le montrer comme ça, parce que les couleurs ne rendent jamais pareil. Et puis, ben, j'aime bien, moi, le rendu. J'aime bien le rendu. Je retrouve toutes les couleurs qui, moi, me font plaisir. Donc, un peu les verres d'eau et les rouilles, d'accord? Maintenant, si vous voulez justement une blouse qui soit beaucoup plus une blouse d'été, vous pouvez y aller sur du lin. Donc, je ne l'ai pas là tout de suite, mais on a commandé la créalino qui est indiquée, puisque ce qui va être nécessaire, c'est un échantillon indiqué. Donc, j'ai commandé un 100% lin, puisque c'est la marque Lingue, et puis ils disent que c'est vraiment un lin qui est doux. Donc, je me suis dit, oh, ça peut être vraiment intéressant. Vous avez aussi la Studio Linen, donc ça il m'en reste encore en boutique, qui est un mélange lin et lin recyclé, donc elle est vraiment douce. Et puis on l'avait vu un peu, je pense, je vous en avais parlé pour le ranunculus notamment, parce que ça va vraiment avoir une belle structure, hein. Tout ce qui a du lin va bien marquer la dentelle, donc c'est très très intéressant. Ensuite, évidemment, on a déjà travaillé avec la matcha, mais si vous n'avez encore jamais travaillé avec la matcha, eh bien, c'est le moment de la découvrir, surtout qu'on va arriver sur les fins de collection. Donc, vous pouvez travailler avec la matcha. Donc, imaginez, par exemple, la blouse Isolde avec ce beau petit rouge framboise, ça serait vraiment très chouette. J'ai proposé aussi la Chaos Yarn, d'accord, cette laine qui est dans notre succursale de Angus, qu'on adore, et... au lieu du mohair, parce que tout le monde... Oups, le matcha est passé par là. Parce que tout le monde n'est pas ou adepte du mohair ou ça lui pique. Donc, si vous voulez quelque chose qui soit vraiment doux, doux, doux et que vous ayez moins de réactions, vous pouvez prendre la Chaos Yarn. La Chaos Yarn, vous voyez là, eh bien, c'est de l'alpaga brossé. Donc, c'est un peu le même principe qu'un mohair. D'accord, c'est un peu le même principe, sauf qu'on a un aspect un petit peu plus fourrure, moi je le dis souvent. Mais c'est les mêmes métrages, 225 mètres, 25 grammes, donc ils sont interchangeables. Donc, par contre, une chose, c'est que je ne prendrai pas 2 alpagas brossés pour faire la blouse. Définitivement, je lui joindrai un de ces comparses en mérino. En plus, c'est des mérinos bio et qui sont... super poète poète, super moelleux, super doux, ils sont extraordinaires. Donc je couplerai un mérino avec un alpaga brossé parce que l'alpaga va pas bien marquer la dentelle, d'accord, il est un peu mou, donc en le couplant avec le mérino, on va lui donner de la force, d'accord. La Antigone sera poilu, tu vois, c'est un mohair non poutin, sont assez extraordinaires, donc ça nous donnerait plus un beau pull d'automne et en dentelle, serait vraiment, vraiment très beau. Donc ça, je vous le recommande. La Luma, pour ceux qui ont fait le Amarelle, oui, mon Amarelle n'est pas terminé. Parce qu'il faut que je défasse ma bande d'encolure, puisqu'on se rappelle qu'il y avait eu une erreur du patron là-dessus. Donc voilà, il faut que je la défasse et... eh bien, d'autres projets sont passés d'ici là. Donc, la Luma, super, super fibre. Pour tous ceux qui l'ont utilisé, ça a été un coup de cœur. On est sur du mérino, lin et soie. Et ça marque la dentelle grâce au lin. On peut voir que ça la définit superbement bien. Et elle fonctionne très, très bien en diquée. Donc, la Luma, c'est aussi un super choix
si vous ne voulez pas aller dans le côté poilu. Puis si vous voulez aller dans le côté poilu, mais vous voulez aller dans le côté poilu funky funky, sachez qu'on va recevoir, normalement je l'attends pour la semaine prochaine, on va recevoir de la Lily and Pine, la laine parfaite pour les couleurs de Pâques, parce que on est vraiment dans les couleurs vraiment néon. Et j'ai commandé avec le Merino Cachemire de chaussettes, et eh bien j'ai commandé la dent de lion qui est le Surrey Alpaga et soie. Donc ça, ça pourrait être vraiment, je vais vous montrer un peu les couleurs. On est vraiment là-dedans. Hop. Est-ce que voilà, kiki et tout. On pourrait être vraiment, voilà, si vous voulez faire quelque chose de bien funky, vous pouvez aller vous amuser. Voyez par exemple comme la Hummingbird ou la Mojito. Enfin bref, il y a de quoi vraiment la surprise pour être super belle là-dessus. Et puis si vous n'avez pas forcément envie que ça soit trop fluffy, mais vous aimez un petit peu quand même le côté un peu fluo, vous pouvez prendre une base comme ça et lui mettre ensuite juste par exemple un mohair rose. Ce ne serait pas forcément celui-là, mais lui mettre juste un petit mohair uni avec, ça peut avoir un effet très intéressant, un peu comme ce que je suis en train de voir. Là, c'est un peu mes tests de laboratoire avant de me lancer. Et c'est pareil, là, je fais plein d'annonces pour ce qui s'en vient à peu près la semaine prochaine, au pire dans 10 jours. On va aussi recevoir, c'est les nouveautés de printemps que je vous dévoile, on va recevoir de la Lichen & Lace. Et je suis tombée en amour avec cette couleur-là. Hop, hop. J'ai commandé la bouquet. Et encore une fois, je vous montre le mohair et soie qui va aller avec. Et ça serait intéressant peut-être sur une base un petit peu comme la Elderflower de Knitting for Olive, c'est-à-dire un écru qui tire un peu sur le jaune ou qui tire un peu sur un vert pâle pour avoir un effet super intéressant. Donc, elle, on va vraiment en avoir, c'est pareil. Elle nous l'envoie la semaine prochaine, donc ça devrait arriver très bientôt. Donc, n'hésitez pas à appeler la boutique si vous voulez faire des réservations, parce que je prends des petites quantités. Je n'ai pas les moyens des grosses quantités. Donc, n'hésitez pas si vous voulez savoir c'est quoi les couleurs et en faire mettre de côté pour quand ça arrive. Voilà. Pour la matcha, on utilise juste un fil. Donc, n'hésitez pas à aller voir la documentation que j'ai faite sur la blouse de Isoldatic. Vous allez dans blog, ça va être là. Et j'ai mis pour toutes les tailles, toutes les laines que je proposais. Hein. Enfin, c'est une liste non exhaustive, comme vous pouvez voir. Et les quantités. Voilà. Anne disait, à partir de XL, la circonférence est inférieure à la mesure supérieure. Exemple 134 cm pour 132 à 136. Oui, je suis d'accord avec toi, Anne. Je pense que ils ont... tu sais, c'est une traduction du patron en danois, ce qui n'existe même pas en anglais. Donc, je pense qu'il y a eu une erreur à ce niveau-là, d'accord? Il faut bien regarder les chiffres terminés. Et au niveau de l'aisance, pour une blouse comme ça, ça commence à au moins 10 cm d'aisance, plus, si vous la voulez plus grande, eh bien, vous augmentez la circonférence. Donc, fiez-vous à la circonférence du pull et non pas, quand ils disent, ok, si vous faites 85, allez-y sur cette taille-là. Le plus important, c'est la circonférence du pull terminé, d'accord ? Oh, j'ai été gelée. Voilà. France, j'ai un 65% soie et 35% lin. Je pense que ça va être magnifique, France. Pourrais-tu nous parler un peu de la structure de la blouse, en particulier des emmanchures? À quel genre de silhouette ça conviendrait? Alors, on va retourner, j'espère que ça ne va pas geler, on va retourner sur le patron de la blouse qui est ici. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que je sorte la photo qui allait avec. On a l'impression que, quand on la voit comme ça, on a l'impression que c'est très, très... que les emmanchures descendent très bas. Ce n'est pas le cas. Si vous regardez la photo
Hop là. Si vous regardez la photo sur Pinterest, ce n'est pas le cas, d'accord? C'est une... Je dirais que c'est vraiment un pull qui est en fait assez classique. Il n'y a pas une grande longueur dans les emmanchures. Ce que je vais faire, ça va vous donner une meilleure idée. Je vais aller chercher la photo sur Pinterest et je vais la partager dans nos réseaux, dans notre groupe sur Facebook et dans le groupe sur Slack. Ça va vous donner une meilleure idée, d'accord? Manon, j'ai 80% soie et 20% chameau. Alors oui, ça conviendrait si c'est indiqué, d'accord? La soie va bien bloquer. La Ulysse pourrait-elle faire comme je ne veux pas de mohair? Oui, la Ulysse est indiquée. Nicole, ça va être super beau. Si vous voulez aussi, il m'en reste un petit peu. Je suis en train de refaire l'inventaire. Il n'en reste pas beaucoup, mais elle est en plus en spécial. C'est la Rosie. C'est le avant. C'est ma collection de avant la matcha. Il ne me reste plus beaucoup de couleurs, mais il me reste ce beau vert qui est magnifique. Voilà. Et qui peut être aussi splendide. Donc, c'est un Blue Face Leicester avec du mohair à utiliser en fil simple. Et il a une très, très belle brillance. Il a un côté quasiment velours. Donc, ce vert-là peut être magnifique pour la blouse. Alors Manon, si ton fil est fingering, ça ne convient pas puisque il faut que ça soit un fil diqué. Donc Manon, tu pourrais utiliser ça, mais rajoute un fil de mohair par exemple pour l'amener sur du diqué. Est-ce que le mélange chaos sera trop chaud pour le printemps-été? Printemps non, été oui, d'accord. Printemps, nos printemps québécois 20 degrés, oui, il n'y a pas de problème, d'accord. Tu te mets ça, tu le mets sans manteau, sans veste, avec un petit jean, ça va être super. Par contre, pour cet été, de toute façon, je te conseille, si c'est vraiment une blouse d'été que vous voulez, je vous conseille d'aller vraiment sur des lins. C'est ce qui va vous donner le meilleur... on est dans ce sens-là d'ailleurs. Je vous conseille vraiment d'aller sur des lins. Pour que vous puissiez le porter sans que ça soit chaud, d'accord? Martine, j'ai du lin noir et je ne l'aime pas trop. Est-ce que je peux lui ajouter autre chose? Oui, tu peux lui ajouter du mohair si tu veux, sans problème, d'accord? Surtout que en noir, ta dentelle risque d'être un peu mangée, ok? Si jamais... vous vouliez la créalino et que vous voyez qu'il n'y en a plus au niveau de la couleur que vous aimez, ne vous inquiétez pas, je replace une commande dès lundi parce que c'est parti très très vite. Donc faites-nous un coucou si vous voulez commander une couleur en particulier, hein, vous pouvez aller voir les couleurs possibles créalino sur Ling, puisque je repasse la commande lundi et donc on devrait l'avoir à la fin de la semaine, c'est quand même assez rapide. Donc créalino. Vous pouvez aller voir les couleurs soit sur mon site, soit sur le site de Ling, Créalino de Ling. Je repasse une commande lundi. Donc, c'est ça. Et oui, c'est un cours gratuit. Donc, surtout dans ces moments qui sont très difficiles pour tout le monde. Et les boutiques aussi, vraiment très, très difficiles, je peux vous le dire. Si vous pouvez encourager la maison tricotée, ben c'est vraiment très, 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 très apprécié. Ça nous permettra de pouvoir passer un petit peu cette période... et que tous les employés soient avec nous et que ça se passe bien, voilà. La Antigone n'est-elle pas plus fine que du diqué? Non, la Antigone est un diqué et elle sera parfaite pour ça. Franchement, si Anne-Sophie, si tu as de la Antigone, utilise-la pour ce pull-là, c'est une merveille. J'en ai plus, d'accord? Donc, c'est vraiment, comme vous voyez, je ne fais pas de la pub pour moi, pour la boutique, en tout cas pas assez. Mais... voilà, je vais juste vous montrer le lin, ce que ça peut donner. Donc ça, c'est la Antigone, mais ça vous donne un petit peu une idée comment aussi le Créalino ou la Studio Linen, donc ces lins-là, vont se comporter. Donc là, c'est la Antigone dans mon Ranunculus tricoté en 5,5. Là, on va être sur des aiguilles plus petites puisque on la travaille en diqué, mais vous avez avec le lin un super drapé. Ça danse autour du corps, c'est une merveille.
Quand on le tricote, on se dit, oh, est-ce que j'ai pas fait une erreur? J'ai l'impression que c'est informe. Et c'est au blocage que notre petite chrysalide devient papillon. Donc les lins, c'est définitivement une matière très très vivante, vraiment merveilleuse. Donc voilà, si vous voulez travailler vraiment une blouse plus d'été, ça peut être très très bien. Comme c'est un pull top-down, vous allez en plus avoir la possibilité de rallonger les manches ou de les raccourcir si vous avez envie de faire vraiment plus une blouse d'été avec des manches trois quarts ou des manches courtes, eh bien ça sera tout à fait possible. Vous pouvez le rallonger. Alors, c'est quoi le dicket? Demande Joanne. Oh, je suis désolée, c'est vrai que c'est des notions qui peuvent être un petit peu compliquées quand on ne les connaît pas. Donc, le dicket, ce qui veut dire en fait double knit en anglais, c'est toutes les laines qui font à peu près 22 mailles au 10 cm pour un poids de environ 230 mètres au 100 grammes. D'accord? Si. Donc, les laines ont été répertoriées par ce qu'on appelle le weight system, donc le système de poids au grammage, et qui donne un certain échantillon. Donc, vous pouvez aller voir sur le site Yarn Council, vous tapez weight system et vous allez voir la classification qui commence par lace, lace, light fingering, fingering, sport, decay, worsted, etc., etc. À quoi ça sert de bien connaître le weight system? Eh bien, c'est important parce que ça vous permet de switcher les laines dans un patron. Si un patron vous demande une certaine laine et que soit vous n'avez pas envie de cette laine-là, soit vous n'avez pas accès à cette laine-là, soit que cette laine-là n'existe plus, eh bien, avec le weight system, vous savez comment la remplacer. Vous savez que pour le fingering, vous allez aller chercher du fingering. D'accord? Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Hop. On arrive presque à la fin. Je voulais vous montrer autre chose. Oui, ok. Oh, merci. Je sais pas si je tape. J'ai peur de ne pas retourner en arrière. J'ai quelqu'un qui a mis sur Facebook le hashtag Isole de Blues qui. Bon, de toute façon, je vais partager l'image. Ça va être plus simple pour tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais vécu ma Madeleine de Proust du tricot où j'avais retrouvé le patron de la tunique à rayures vibrantes. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux en disant je vais le faire. Eh bien, regardez. Il est là, il a commencé. Je me sens un peu seule. S'il y en a qui veulent commencer avec moi, dites-le moi. Mon but étant de faire une rayure complète par mois parce que j'ai pas beaucoup de temps malheureusement. Mais c'est une grande, grande tunique avec une quinzaine de couleurs. Et voilà, je l'ai posté beaucoup sur les réseaux sociaux. Un patron qui vient de la revue Cent Idées, mais ça y est, c'est commencé. Ça prend pas mal de temps, hein, puisque voilà, c'est une grande tunique. Si jamais il y en a qui la commencent, dites-le-moi que je vais être moins seule, je vais faire un groupe rien que pour nous, pour notre tunique à rayures vibrantes. Et j'avais envie de terminer, je me dis, j'ai envie de terminer ces dimanches par un petit peu une revue des coups de cœur que j'ai eus sur Ravelry. Alors vous allez me dire si ça vous intéresse, mais de toute façon. Alors, ah oui, j'utilise les fils de Knitting for Olive, je prends son mérinos, parce qu'il y a tellement de couleurs et c'est parfait pour ce qu'il y a besoin. En plus, comme c'est un mérino non traité, Hélène, eh bien, ça me permet de faire du jacquard, ça va bien gonfler, ça va être parfait. Donc, j'ai décidé pour la fin de mes dimanches, de vous faire un peu la revue de mes coups de cœur sur Ravelry. Vous pourrez me dire non, c'est pas nécessaire, merci Céline, ou ne rien dire, hein, vous pouvez. Ceux qui ne disent rien, le silence veut dire autant. Allez, on y va. Alors, déjà, je vous en avais parlé, la November Hawk de Jennifer Blue. Alors là, moi, ça a été un craquage, mais un craquage,
Voilà, c'est vraiment, je suis complètement crackpot de cette. Voilà, où est-ce qu'il est? Je suis complètement crackpot de cette tunique. Puis, ben oui, bien sûr, je n'ai pas assez de temps pour faire mes pulls, mais je l'ai quand même commencé parce que c'est ça la vie. Ça demande quoi? Ça demande un fingering. Et là, pour ces couleurs super vibrantes, eh bien, j'ai décidé d'aller avec la chaos. Donc, c'est clairement un projet de longue haleine, mais de toute façon, moi, je suis une marathonienne du tricot. Donc, je n'ai aucun problème avec les projets fins. Au contraire, c'est mes préférés. Hop, je trouve ça beaucoup plus zen que de tricoter de la grosse laine. Je sais que c'est personnel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont comme moi et qui préfèrent travailler la laine fine plutôt que la grosse? En tout cas, moi, c'est ma préférée. Donc, je suis avec la chaos qui est genre un bonheur fou à tricoter tellement c'est doux et élastique. Et j'ai décidé de le faire parce que moi, le jaune néon, je vais pas dire à mon âge parce que je déteste cette expression, mais disons que, anyway, avec ma peau, ça va pas le faire. C'est tout, ça va pas le faire. Donc la bordure, pour moi, elle est dans la couleur passionate. Attends, en fait, ça va être mieux comme ça. Elle est dans la couleur passionate parce que je trouvais que passionate, ça me va très très bien. Donc la bordure, elle est en rouge parce que ça va m'aller beaucoup mieux. Et puis le fond est sur ce petit gris qui s'appelle, je pense, énigme magnétique, qui tire un peu sur le vert, donc c'est parfait pour mes petits nœuds. Et les arbres sont dans le charcoal. Donc c'est mon petit. Céline, t'as combien de projets en cours? C'est un secret d'État, ça. Céline, je peux pas. Je peux pas t'en parler. J'ai une interdiction à ce niveau-là. Ok, donc ça va être ça. Donc il y a deux possibilités avec le November Oak. Ça peut être soit, comme vous pouvez le voir, avec des petits fruits là, donc une petite broderie, voilà. Mais moi, ce que je trouve vraiment fabuleux, voilà, ça, je trouve ça vraiment fabuleux, c'est ce jacquard. Et à la fin, on rebrode au point de chaînette, on peut tout rebroder ou comme là, juste une petite partie. Donc voilà, ça, c'est mon gros coup de cœur que. Hop, qui va être réalisé pour moi dans ces laines-là. Donc je suis dans la bordure. Que du bonheur, que du bonheur. Voilà. Donc ça c'est le. Alors ça c'est mon coup de cœur. Hop, qui part dans ma petite boîte de ce que je suis en train de faire. Tout doucement le soir quand j'ai une minute. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme coup de cœur? Alors là, vous allez voir, je me suis. Alors, dans mes favoris, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Alors, bon, je suis toujours la dernière à être au courant des fois des choses, hein, je suis d'accord. Je suis tombée en amour avec cette designer, Anne Wenzel. Vraiment. Gros gros coup de cœur, d'abord parce que c'est une femme senior qui pose, donc c'est elle, et je trouve que y a tellement de style, elle a vraiment, enfin son style est, wow, j'adore ce qu'elle fait. Donc tout ça, voilà, ça c'est d'elle encore. Donc, Anne Wenzel, allez voir ce qu'elle fait. Ça, j'aime beaucoup aussi regarder les manches, comment sont travaillées les manches. Comment est travaillé aussi le côté au niveau de l'épaule. Et puis, à la base, il est assez simple. Regardez les manches. Enfin, moi, tous, quand les gens travaillent bien dans les détails, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Hop, mais est-ce que je peux. Oui, donc. Est-ce que je peux. Oh là là, vive la technologie. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voyez, un travail qui est très contemporain au niveau de. Voilà, voyez, au niveau des épaules, au niveau du corps et tout. Vraiment quelque chose de très, très contemporain. Enfin, bref, une designer qui va rester définitivement parmi mes favoris. Gros, gros, gros coup de cœur.
Ensuite, vous savez qu'on va commencer bientôt notre cale de chaussettes. Yeah! Donc, on commence bientôt notre cale de chaussettes. Ça commence le 17 mars jusqu'au 14 avril. Et je suis tombée sur ces petites chaussettes-là. Et je les ai trouvées cute. Voilà, donc les Welty Socks. J'ai trouvé que c'était intéressant justement avec les laines un petit peu confetti bonbon. Puis, comme je vous ai dit, la Lily and Pine arrive bientôt. Donc, je me disais, tiens, ça serait rigolo avec la Lily and Pine. Ensuite, un autre petit coup de cœur. Oups. Avec, je vais y arriver. Ah, voilà. Avec le patron citrine, c'est pareil. J'ai trouvé que les lignes, vous voyez, les lignes qui sont proposées au niveau des épaules et au niveau des raglans, eh bien, j'ai trouvé ça très intéressant, très structuré, très et moderne et contemporain. Puis ça va à toutes les silhouettes, mais regardez, un très très beau travail de ligne, voilà, avec, avec une worsted. Donc un beau coup de cœur hein, aussi sur ce patron de Emily Green. Ensuite, le mosaic sweater. Ça, je ne l'avais pas vu, de Knitting for Olive. Donc, un petit oversize, un petit boxy en travail de mosaïque. Donc, ce n'est pas du jacquard, c'est beaucoup plus simple à faire. Je me suis dit, tiens, au niveau graphique, il est super beau. Et pourquoi pas même le faire dans la chaos pour un truc un petit peu plus punché. Ensuite, Midori Rose, que j'adore, vient de sortir la version light de son pull, le White Mountain. Alors, c'est vraiment intéressant. Il est, c'est un pull. Bon, j'aime Midori Rose, ça c'est sûr. Mais voilà, regardez le travail. Un travail ici avec un flat, avec un drop back, donc un petit peu plus long derrière, un petit travail là. Il y a différentes encolures qui sont possibles, hein, donc c'est encore une fois un pull dont vous êtes le héros avec différentes possibilités au niveau de la structure. Donc voilà, donc un pull que j'aime beaucoup, mais bon, Midori Rose, je suis vendue d'avance sur ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que je voulais vous en montrer un autre? Ah oui, celui-là, je pense que c'est celui-là. Ça, c'est pareil, ça a été un gros coup de cœur cette semaine. C'est le dernier dont je vais vous parler. Vraiment, gros, gros coup de cœur. Le Fun Ham Sweater de The Knit Pearl Girl. Alors là, j'ai beaucoup aimé la simplicité de ce côté marinière. Regardez, un col tout droit, un col cheminé avec les petites rayures qui remontent jusque-là dans un sens contraire. Je sais pas, il avait quelque chose dans sa structure, ce pull-là, avec un drop shoulders, donc des manches qui viennent s'encastrer beaucoup plus bas, ce qu'on appelle le drop shoulders. Mais je l'ai trouvé très graphique et vraiment super, super intéressant comme pull. Et il est fait à la base avec un sport. Donc on peut penser notamment à la boucle laine qui pourrait être très intéressante pour ce patron-là, hein. Ou on peut penser bien sûr à un mohair plus fingering ou un... hop, ou un alpaga plus fingering. Voilà. Donc, c'est ça qui est ça. Voilà, il est... Voilà. Je vais prendre une gorgée de café. Ah non, mais moi, les changements d'horaire, c'est terrible, terrible, terrible. Donc, c'était ça un peu ma sélection de cette semaine, voilà. Ensuite, alors, Digito, est-ce que les sauts prochains comme le chandail Ingrid demeurent dans les prochains cours? Oui, Nicole, ne t'inquiète pas, nous ne dévierons pas de notre programme, ce n'était que pour le retour que nous avons dû dévier
puisque la designer en fait, ne m'a jamais répondu quand je lui ai demandé l'autorisation de l'enseigner en ligne, ce qui est quand même très important parce que c'est sur YouTube, c'est public, donc c'est très important que les designers soient à l'aise pour que l'enseignement se fasse. Donc pour le reste, il n'y a pas de problème. Andrea Mori nous a donné le feu vert pour enseigner le Weekender, qui va être le prochain pull. Et Petite Knit nous a donné aussi le feu vert pour enseigner le Ingrid Sweater sur le dernier trimestre. Voilà. Voilà. Donc, c'était ça. Si ça vous a plu, cette petite partie, les coups de cœur de la semaine, eh bien, on s'en reparlera dans les fins de cours, les dimanches. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez que je rajoute? Parce que moi, ça me fait toujours plaisir hein, de partager mes petits coups de cœur. Donc, dites-moi, est-ce que oui, je rajoute mes petits coups de cœur en... Est-ce que je rajoute mes petits coups de cœur en fin de cours comme ça? Puis ça sera à la fin, donc ne vous inquiétez pas. Pour ceux que vous avez absolument pas envie, ça sera à la fin. Comme ça. Oui, au coup de cœur, parfait. Bon, ben comme ça, je pourrais vous partager un petit peu mes gratouilles un peu partout. Super. Super, super, super. Ok, parfait. Alors, la semaine prochaine... On se fait un petit break, d'accord? Moi, je veux vraiment tricoter la dernière manche de mon Fairy Bouquet parce que je suis vraiment tombée en gros amour, en fait, avec ce pull-là. Et je veux vraiment l'avoir terminé. À ta connaissance, est-ce que le Isol 2 est fait petit? Habituellement, je fais du 2XL, mais là, on dirait que je devrais prendre le 3XL. Geneviève, vraiment très important. Fie-toi à la circonférence du pull terminé, d'accord? Donc si tu veux l'aisance telle que tu la veux, fais le 3XL, d'accord? Bon, bah écoutez, ça fait plaisir de savoir que vous aimez cette petite rajout parce que moi, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Voilà, allez. Donc, on se laisse une semaine, comme ça, on termine tous nos fairy bouquets, en tout cas pour la majorité. Et on se retrouve le 26 mars, ça sera le premier cours sur le Isol 2. Si vous avez besoin d'aide en magasin, vous nous appelez, vous nous écrivez. Si vous voulez réserver, écrivez-moi, d'accord? Si vous avez vu des choses sur Lillian Pine ou sur... Lichen and Lace, et vous demandez est-ce que Céline tu l'as pris, etc. Est-ce que je peux le réserver? Vous m'écrivez Céline at la maison tricotée. Donc là, pour ce genre de choses, écrivez-moi à moi, d'accord? Parce que mon équipe est plus au courant de ce qu'il y a sur le plancher que sur ce que j'ai décidé de commander. Sachant que je n'ai que 6 pelotes dans chaque couleur. Donc vraiment très important, il y a eu un coup de cœur. Vous m'écrivez, on voit ça ensemble. Pour la Créalino, c'est pareil, vous nous écrivez. Pour le reste, appelez-nous. Puis moi, je suis à Angus cet après-midi pour ceux qui veulent venir me faire un coucou. Voilà, ok? J'aime aussi les coups de cœur fibres. Ah ben oui. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter vraiment une belle fin de journée, un beau début de semaine. Puis, n'hésitez pas, posez-moi les questions sur les groupes. Moi, là, je sors, je finis mon latté et je poste sur les groupes, sur Slack et le groupe public à la croisée des chemins. Je vais aller chercher tout de suite l'image de quelques photos de l'Isol de Blues qui a été portée pour que vous ayez une meilleure idée, d'accord? Voilà. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve dans 2 semaines, d'accord? Bye bye.